Bonsoir tout le monde. La vidéo de aujourd'hui va exclusivement puisque je vais parler la méthode et je l'utilise dans le cabinet depuis 20 ans qui est donc le lipomassage. J'ai voulu faire la vidéo pour vous expliquer les messages qui viennent dans le cabinet et vous pouvez vous aider si vous voulez comprendre ce qu'est le lipomassage, ce qu'on fait, donc ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il t'amène ou quels sont les résultats intérieurs? Oui, j'aime généralement les jeunes et les moins jeunes puisqu'il s'adresse à toute personne qui a de la cellulite, qui a des jambes lourdes, qui a un tissu relâché ou la mental non ferme et surtout qui sont de la graisse localisée. Le lipomassage pour maigrir. C'est une méthode de massage que j'utilise beaucoup dans le cabinet. Maintenant, je prescris aux femmes qui viennent me voir. À Sinélix, c'est une méthode pour femmes exclusivement. Habit Merkalia, elle a des atouts majeurs. Elle est prouvée scientifiquement où elle dépasse de loin. Tu as beaucoup d'autres techniques qui sont pratiquées. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Elle doit d'abord être faite par des professionnels. Donc, c'est un soin qui doit être pratiqué parce que c'est thérapeutique par un professionnel. Parce qu'elle aide à mincir, elle aide à lutter contre la cellulite et à se débarrasser des bourrelets disgracieux, donc sur les graisses localisées. Une personne qui fait un régime, oui, elle va avoir un régime sain pour le corps d'une façon générale. Alech les menarmouch l'ouehla d'une méthode qui a été prouvée scientifiquement au bichnar kali habet tatri. Le but de ce lipomassage, alech narmoufi, pour qu'il y ait un arme fait régime et je vais perdre de la graisse généralisée, donc il n'y a pas de souci. Seulement, lorsqu'on a une stratégie silhouette, on veut atteindre vraiment un traitement de fond et un traitement de forme, et un sarbel lipomassage. Le but de terre, donc, c'est de perdre en centimètres et c'est des pertes assez intéressantes par cœur. On peut arriver jusqu'à moins 4, moins 8 cm selon les zones et selon les personnes, bien évidemment, et selon l'âge de la cellulite. Donc il y a une perte de centimètres, une mobilisation du tissu adipeux sous-cutané, donc les graisses générales du corps et la graisse viscérale, on ne vise que les graisses sous-cutanées. Et élimination, elle va vraiment aider à éliminer les déchets métaboliques. Cette technique, ce n'est pas un massage manuel, ce n'est pas une technique à part, c'est un ensemble de plusieurs techniques qui se trouvent en même temps. C'est une association de plusieurs techniques très réputées pour le massage, le palpé roulé, le pétrissage, tout ce qui est mouvement, aller-retour sur la peau, de l'aspiration, c'est ce qui va faciliter la circulation veineuse, et le drainage lymphatique. Pour expliquer les effets du lipomassage, Isminati une petite définition de ce que c'est que la circulation lymphatique. On a un système lymphatique dans le corps qui est voisin du système veineux. La lymphe, donc, elle circule dans notre corps dans les vaisseaux lymphatiques. Elle a un rôle de nettoyage. Elle draine les excès de liquide de nos tissus. Elle a aussi un rôle très important dans l'élimination des toxines puisque elle représente le système de nettoyage de notre corps. Le drainage, il est assuré naturellement. Une personne saine, elle a un drainage sain. Mais toute personne qui a un drainage insuffisant, a des conséquences à lui. Soit un épaississement, ça peut être des lourdeurs, des jambes lourdes qui prennent du volume, ça bat, et bien sûr l'apparition des cellulites, elle est disgracieuse, ça fait l'aspect de peau d'orange, ce qui n'est pas très joli pour les femmes, on connaît tout ce problème-là. Donc, lorsque le système lymphatique n'est pas au point à 100%, il faut renforcer cette action par une technique. Donc le lipomassage, autrement de la gymnastique active, il va avoir tous les bénéfices d'une activité sportive, sauf que on est allongé cette fois-ci, il y a des mouvements plus ou moins intenses qu'on pratique sur la peau et qui vont donner des effets semblables à ce que ferait une activité physique. Il va activer la circulation lymphatique, et par les tissus, mais l'excès de liquide, il va optimiser bien évidemment la circulation veineuse, mais c'est aussi la circulation veineuse ou lymphatique et ce matin
ils sont très proches, et il va y avoir une réponse biologique prouvée qui se manifeste par une souplesse, une élasticité de la peau, une fermeté. Ça a été prouvé scientifiquement, puisque cette action, c'est de la mécanothérapie, puisque cette technique, elle a une action prouvée sur les fibroplastes, dans les cellules cutanées, et qui assure la fermeté de la peau. Donc on a des cellules qui assurent la fermeté de la peau. Grâce à cette méthode, il y a une activation sur ces cellules-là. Donc l'action des fibroblastes, qui sont donc des cellules cutanées, c'est la production de collagène. Nous savons tous qu'avec l'âge, il y a une diminution de la production de collagène, et l'action donc de cette mécanothérapie linéaire, l'hypomassage, donc cette technique, ça a été prouvé scientifiquement, et elle augmente la production de collagène au niveau de la peau de plus 15 à 30%. Donc très intéressant pour les femmes qui souffrent de relâchement ou un manque de fermeté de la peau. Maintenant, vous aidez, avec l'âge, ça diminue le collagène, et donc l'aspect peau d'orange, il s'aggrave, la cellulite alpha. Donc on va dire qu'on l'indique encore plus chez les femmes d'âge mûr. Alors pour atteindre de bons résultats, il y a deux conditions. D'abord la régularité, puis l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire. La régularité, c'est à peu près 10 séances, à raison de 2 séances par semaine pendant un mois et demi. Donc c'est une cure qui peut être suffisante. D'ailleurs, les résultats de Mchoufour à partir de la 5e séance. En cas de cellulite ancienne et de fibrose très prononcée, il vaut mieux faire plus que 10 séances, donc à peu près le double. Et une vigilance alimentaire qui m'accorde pas, qui m'a déjà l'hypomassage au nekelinhep à la khatar. Il faut perdre déjà de la graisse généralisée par l'alimentation, et cibler la graisse localisée par le lipomassage. Inch'Allah, t'ajabkoum la vidéo, ou n'qoulelkoum ila liqa fil vidéo chère.